tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une autre ouverture de participation. Voilà, celle-ci, elle me vient de Nadine. Nadine du 23, si je dis pas de bêtises. Voilà, Nadine du 23. Et on va découvrir ce qu'il y a dedans. Voilà, il est énorme le carton. Le facteur, il est venu sonner à la porte. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Oh, le papier. Eh ben, ça fait comme le papier que j'ai montré dans mon haul. Ce que j'ai trouvé à... Oh, il est beau, je vais le garder. Il est trop beau. C'est dommage, j'ai écrit sur ce côté là-haut. Ça va aller quand même. Oh, ça, c'est une idée, ça, d'avoir... Oh là là. Bon, pas grave. On va... Je vais réécrire après. Voilà. Hop. Ouais, parce que je garde l'emballage. Que... Alors. Oh. Oh là là. Alors, faut pas que ça que je les garde. Parce que. Alors, hop, on défait tout ça là. Oh là là, ça a l'air tout beau tout ça. Voilà. C'est à l'envers, en plus je suis en train de l'ouvrir à l'envers. Oh là là, c'est trop beau. Elle est magnifique la boîte. Regardez-moi ça. Elle est toute, regardez, toute collée. J'adore. Regardez-moi ça. Des, avec du papier, mais des morceaux coupés à droite, à gauche. J'adore. Et là, tout en rose, comme j'aime. Là, il y a des petits chutes de papier de différents... comment dire, avec de différents motifs, hein, mais tout assorti. La dentelle, elle est magnifique, cette dentelle-là. Celle-ci, là, elle est trop, trop belle. Là aussi, l'autre aussi. Regardez-moi ça. Elle est très, très, très jolie. Et là, le ruban avec le beau nœud. C'est magnifique. Hop, je vais ouvrir. Hop. Alors là, c'est comme ça, ok. Oh là là, c'est trop beau. Oh là 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 là. Alors, est-ce qu'il y a une petite carte? Déjà, là, je pense que c'est la carte. Alors déjà, je vais... Oh là là, c'est trop beau. Les roses, j'adore ce papier. Alors, attendez. Je pense que ça s'ouvre comme ça. Bravo. C'est trop joli. Hop, comme ça, je vais m'asseoir. Parce que sinon, j'aurais tendance à être hors champ, j'en suis sûre. Hop. Alors, hop, je vais regarder le petit. Oh, c'est trop joli, regardez. Quand on ouvre, comment ça fait. Hop, ça, c'est mon petit mot. Hop, ça, c'est... Voilà. Là, l'embossage, il est magnifique. Là, le petit embossage comme ça, là, c'est trop joli. Alors, les petites choses que tu fais... si bien font une grande différence dans la vie des autres. Je ne sais pas si vous entendez, mais s'il y a du bruit, c'est parce qu'il y a ma copine qui est au téléphone de l'autre côté. Hop, regardez-moi ça, comment c'est joli. Là, hop, on voit le petit papillon. J'adore tous les petits détails. Vous voyez, avec, quand c'est du blanc, les découpes blanches, c'est vrai qu'on fait vraiment des super jolies choses. Les toutes petites fleurs miniatures... C'est trop, trop joli. J'adore, j'adore, j'adore. Et ça, c'est mon petit mot. Attendez, ça, c'est les coordonnées. Ouais, ça, c'est bien. Il y a le point relais, il y a tout, c'est nickel. Hop, je mets comme ça. Et donc, ça, c'est mon petit mot. C'est même ça, c'est original, en fait. Parce que, vous voyez, c'est glissé comme ça. Donc, je laisse ça devant et je... Oh là là, je ne sais pas. Je vais lire vite fait, mais... Bah, mais écoute, mais merci à toi, parce qu'en fait, c'est grâce à vous toutes, en fait, que ma chaîne, elle a avancé comme ça. J'en reviens toujours pas, d'ailleurs. Hein. Merci pour les pouces en l'air.
Ah bah oui. Ah bah oui. Ah oui, moi, j'ai pas toutes ces... Je sais pas comment tu fais à la retraite pour arriver à faire tout ça. Parce que moi, rien qu'avec ce que je fais, je suis déjà dépassée. J'ai déjà le temps de rien. Waouh, 1800 cartes, waouh. Ah bah oui, oui, en investissement de temps, c'est sûr. Oui, financier. Ah oui, ah c'est pas mal du tout comme idée en fait, hein. Bah écoute, vraiment, merci beaucoup déjà pour ta participation. Voilà. Et merci de me suivre parce qu'au fond, c'est bien grâce à vous, hein, que moi je suis. Comment dire c'est vrai, je le dis souvent. Des fois, on peut mettre une vidéo, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de vues, on n'a pas. Et des fois, bon, on peut se démoraliser, se dire, oh, ça plaît pas, etc. Et quand on met et qu'on voit qu'il y a des vues, il y a des petits pouces en l'air et surtout qu'il y a beaucoup de vues, c'est clair que c'est inspirant en fait. Ça donne encore plus envie de créer. Et je dois avouer que depuis que j'ai ouvert ma chaîne, j'en reviens toujours pas. Voilà, là je suis à plus de 10 500 abonnés et je suis toujours. Je comprends, enfin oui, je comprends pas. C'est un peu bébête de dire ça, mais c'est vrai, l'autre fois, j'avais entendu dans la vidéo de Camille Scrap qu'elle disait qu'il y a des procédures, enfin des procédés, je ne sais pas comment en fait, que soi-disant on peut acheter des abonnés. Enfin, je sais même pas comment ça fonctionne. Je savais même pas que ça existait en fait. Hein. Mais voilà, comme, mais franchement, je Peut-être, d'ailleurs, quand j'ai entendu ça, je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui pensent peut-être que j'ai acheté des abonnés. Parce que c'est vrai que franchement, jamais, mais jamais au départ, quand je me suis lancée il y a un peu plus de 3 ans, mais jamais, jamais j'aurais pensé qu'au bout de 3 ans, enfin, je serais à 10 000 abonnés. Franchement, voilà, j'essaye de faire les choses simples. En fait, simplement, je travaille pas mes vidéos, je cherche pas. Enfin voilà, comme je dis souvent, c'est au feeling, je fais comme ça vient en fait. Hein. Si j'ai envie, si ça me plaît comme si, je fais comme ça, comme si c'est pas comme. Enfin bref, voilà, je réfléchis pas en fait. Voilà. Et des fois même, je fais une vidéo et ça m'arrive, je télécharge, même pas je regarde si. Enfin, si c'est bien, si j'ai pas dit de bêtises ou des trucs comme ça. Tout de suite au début, quand j'ai commencé, quand même, je les écoutais parce que je me disais, on sait jamais, des fois, on peut écorcher un mot. Surtout que des fois, j'oublie les mots et des fois, j'écorche les mots, je le sais. Mais voilà, je m'y attendais pas du tout. Donc, c'est vrai que vraiment, merci à vous, en fait, parce que c'est des personnes comme toi, en fait. Hein, voilà, vous venez tout le temps. C'est pas une question de laisser tout le temps des commentaires, etc. Mais. Votre présence au quotidien, en fait, c'est ça qui aide ma chaîne à avancer. Donc, merci, merci, merci. Voilà. Et maintenant que je vois tout ce que tu fais en plus, en dehors de... Voilà, je tire mon chapeau. Hein. Franchement, voilà. Moi, ici, au début, je m'étais dit que peut-être que... Parce que j'ai une commune qui n'est pas si loin que ça d'ici. Où comment on dit, il y a des ateliers en fait, il y a des gens, ils font tout un tas de choses. Mais j'avais fait un marché de Noël en fait, où j'avais un stand et ces personnes-là, elles avaient un stand à côté de moi en fait. Je dois avouer que j'ai pas beaucoup aimé en fait. Voilà, j'ai pas trop aimé. Bah, peut-être le comportement, enfin je sais pas, j'ai pas trop, je me suis dit, je me reconnais pas dans cette façon,
de faire ou de penser, en fait. Voilà. Du coup, je n'ai pas été plus loin. Maintenant, je sais, peut-être que juste à côté de chez moi, là, plus près, peut-être il y a, mais c'est vrai que j'ai du mal à aller un peu malgré, même si je n'ai pas l'air comme ça, j'ai l'air toujours à l'aise et tout. Mais en fait, pas du tout. Je suis plutôt style enfermée. Enfin, j'ose pas trop aller vers les gens. Une fois que j'y suis, oui. Voilà, une fois, je vais aller. Comment dire, tiens, je vais aller chez Action, je vais te rencontrer, sur le coup, je vais être intimidée les premières secondes, et puis après, dès qu'on discute un petit peu, après, ça y est, on m'arrête plus. Mais de moi-même, d'aller comme ça vers les gens, de faire cette démarche-là, j'ai beaucoup de difficultés à le faire. Donc, c'est vrai que c'est pas facile pour moi d'aller comme ça dans une association. Et puis, voilà, des fois, je regrette parce que ça me ferait quand même faire du scrap d'une autre manière, avec des, enfin, ouais, partager plus avec des gens en vrai, en fait, en réel, pas que du virtuel. Mais bon, ça viendra avec le temps, ça viendra peut-être. Après tout, je fais que du scrap que depuis le confinement, en fait, hein. En réalité, c'est depuis le Covid que je fais vraiment du scrap. Avant, je ne faisais pas. Donc, bon, comme on dit, chaque jour, ça peine. Donc, peut-être, il y aura un moment, peut-être, où je me trouverai à aller aussi, comme toi, dans des associations. Mais j'aime beaucoup le but, en fait, là, de ce que tu dis, des choses que vous faites pour les associations. J'aime bien. Ça me plaît beaucoup, ce genre d'initiative. À voir. C'est l'idée me plaît beaucoup. Bah écoute, je vais, après tout ce blabla, je vais découvrir ce que tu m'as envoyé. Voilà. Donc hop, j'ouvre, je vous montre comme ça. Et après, je mets de côté, vous allez découvrir comme moi. Pas plus vite que moi. Oups, j'ai ouvert tout et. Oh là là. Des petites gorgeous. Regardez, c'est trop mignon. J'adore. Ça, de toute façon, vous le savez, que moi et les petites... une histoire d'amour avec les gorgeous. Elles sont trop mignonnes. Là, hop, des petites étiquettes. Voilà, des petites étiquettes. Hop, c'est gentil. Hop, là, petites étiquettes. Hop, petites étiquettes. Hop. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment adorable. C'est trop gentil. Hop. Là. Encore un beau papillon. Qu'est-ce qu'ils sont jolis, ces papillons. Je ne sais pas où tu as eu ces dailles-là, mais c'est très joli. J'aime bien la découpe comme ça. Ce papier, il est très, très beau. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Si tu me prends par les sentiments, et je ne l'ai pas celui-là en plus, hein. Je ne l'ai pas, il est magnifique, vraiment, merci beaucoup, il est trop beau, oh, j'adore, regardez-moi ça, mes rubans, je ne sais pas pourquoi j'aime autant les rubans, alors, du coup, je vais prendre ça, je pense que ça va être la participation, alors, on va défaire, en essayant de ne pas abîmer, hop, je fais doucement, là. Comme ça, là. Oh là là, elle est trop belle. Hey, tu sais que je rêvais d'en recevoir une. Oh là là, elle est magnifique. Oh mon Dieu, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Oh là 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 là, j'adore. J'ai vu, je sais plus c'est qui que j'ai vu faire. Non, c'est Fonchon de la chaîne, Fonchon Scrap. Je crois que c'était elle. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était elle. Elle avait reçu d'une copinette, elle avait reçu une machine. Et j'avais trouvé ça tellement beau. Oh là là, elle est magnifique. Oh, c'est trop, trop joli. Voilà. Ah, et puis, regardez, il y a des tiroirs. Oh, mais c'est trop mignon. Regardez. Ah, oh, ça va être sur mon étagère. J'adore les machines à coudre en plus. Oh là là, c'est trop beau. Même l'aiguille, même le petit tissu, là, regardez.
Les ciseaux, encore les ciseaux. Oh non, c'est trop beau. Oh là 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 là, j'adore, j'adore, j'adore. C'est magnifique. Même là, regardez. C'est juste magnifique, magnifique. Je ne vais pas emballer tout de suite parce que je vais la montrer à ma copine. Parce que c'est trop beau. Je suis sûre qu'elle va craquer aussi. Parce qu'elle elle aime beaucoup la couture. Alors, c'est trop beau. Vraiment. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique. Non, mais l'idée, il faut l'avoir, l'idée. Oh, mais je suis trop con. Oh, mais j'avais même pas vu qu'il y avait mon nom. Regardez. Elena, j'avais pas vu. Oh, c'est trop beau, vraiment. Merci, 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 merci. Je suis trop contente. Oh là là. Ah, c'est trop, trop beau. Oh là 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 là. Trop, 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 trop beau. Hop, je vais ouvrir les autres petits paquets. Oh là 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 là. Ça va me faire de la peine de la remettre dans la boîte. Mais bon, je dis que je remettais tout dans la boîte et que j'ouvrirai après le concours. Remarquez, dans pas longtemps, je ne serai pas beaucoup chez moi. Donc, oh, c'est magnifique. Hop là, petit paquet. Oh, ils sont trop beaux. Oh, je ne les avais pas eu ça. C'était chez Noz, je crois. Oh, je vais mettre comme ça. Ok, tombe. Il me semble que j'avais vu quelqu'un qui les avait trouvés. Mais moi, je ne les avais pas eus. Oh, comment c'est mignon. Alors, attendez, je... Oh non, mais c'est trop, trop... Moi, je craque pour... Il m'en faut pas beaucoup, des fois, pour être comme une gosse. Oh non, mais c'est trop mignon. J'adore. Oh là là. Ma fille, elle serait là, elle se moquerait de moi. Elle dit, ça y est, ma mère, elle est retournée en enfance. Non, mais regardez, mais ces petits nounours, comment ils sont trop mignons. Alors, je voudrais chercher le début du ruban pour montrer comment c'est. Ah, ça doit être comme ça, peut-être. Non, je ne sais pas comment, par où ça... Je voudrais pas défaire n'importe comment, mais bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Donc, regardez ces petites choses-là. Regardez ces petits nounours, comment ils sont trop, trop mignons. Adorables. Oh, j'adore. Alors là, ouais, j'avais vu dans un hall hein, quelqu'un qui avait trouvé, mais moi, j'avais pas, je ne les avais pas trouvés quand j'avais été chez Action. Chez Noz. Hein. Hop là, je vais mettre comme ça. Et celui-là, il est beau aussi. Regardez, c'était celui avec les bavoirs, les tétines, les petites mains. Regardez, c'est trop mignon, vraiment. C'est adorable. Alors là, je suis trop contente du ruban, comme si j'en avais pas assez. Mais bon, moi j'adore ça. Même ton papier, il est beau. J'essaye de pas trop l'abîmer, mais ça, c'est quoi? Super bien emballé. Alors. Alors, est-ce que je peux enlever comme ça ou pas? Oui, je peux comme ça. Oh, oh là là, comment c'est joli! Oh, mais ça, j'en ai pas vu. Oh, j'adore. Oh, c'est trop beau. Alors, attendez. Hop. Regardez, c'est comme ça. C'est super joli. Regardez, c'est tout fin. Mais c'est magnifique. Hop. C'est trop joli. Je sais pas où t'as eu, moi je connais pas. J'ai pas vu s'il y avait à Action. Enfin non, pas Action. Action, c'est pas. On ne trouve pas des choses comme ça. Mais chez Noz. En tout cas, c'est super joli. C'est comme du filet. C'est fait comme du filet, en fait. Voilà. Donc, vous avez en jaune, en orange et en rose. C'est trop beau. Magnifique. Là, là. Oh, il y a encore des petites gorgeous.
qui se promène. Tag Gorgeous. Hop là. Gorgeous. Et des petites cartes. Elles sont très jolies. Ça fait des cartes quand je ferai mon. Quand je me mettrai à faire des albums. Et ça approche. Et j'adore ces petites cartes comme ça, qu'on peut glisser. Et puis, limite, on peut après mettre la photo derrière. C'est trop mignon. Bah, écoute, vraiment, merci beaucoup. Ah, il y a encore un petit paquet. C'est trop gentil, tout ça. Alors, hop. Oh, j'adore du croqué. Moi, je dis toujours du croqué. C'est du zigzag. Voilà. Ah, il est trop beau. Regardez. Hop. Ouais, c'est du zigzag, hein, mais il est fin. C'est du fin. J'aime beaucoup. Hop. Bah, écoute, vraiment, tu m'as gâtée. Hein. C'est... wow, je ne sais pas quoi te dire. Ça me... Voilà. Tu m'as coupé le sifflet. Voilà. On dit que je fais tout le temps du blabla. Ben là, je ne sais même pas quoi dire. C'est tellement gentil. Mais en dehors de tout ça là qu'il y a là. Non, mais s'il vous plaît, regardez-moi cette boîte. Elle est juste magnifique. Elle est toute customisée. Et j'adore. C'est sincère. Je trouve ça magnifique. Je ne sais pas où je vais la mettre. Peut-être dans ma chambre. Pas à côté de moi, je sais pas, mais je l'adore, c'est trop beau. Bah écoute, vraiment Nadine, merci beaucoup, c'est adorable, c'est vraiment adorable, c'est voilà. Oh, ça c'est une participation magnifique. Mon nom, oh là, elle est trop belle. Alors j'aurais jamais pensé que j'allais avoir une machine à coudre, vraiment. Ça fait plusieurs fois, enfin pas là, ça fait longtemps déjà, c'est plus l'année dernière, un truc comme ça. Il y a un moment donné, je sais qu'il y en a eu plusieurs qui sont passées, et entre autres, il y avait celle-là. Je crois que c'est Fonchon qui en avait une, que quelqu'un lui en avait fait une. Et j'ai, oh là là, j'avais trouvé ça tellement beau, mais je me dis, oh là là, ça doit être hyper compliqué et long à faire. Donc, voilà, je pensais jamais que quelqu'un allait m'en envoyer une. Alors, vraiment, merci beaucoup. Bah, écoute, je te fais un gros bisou. Donc, tu as le numéro, que j'oublie pas. Donc, tu as le numéro 32. Voilà, tu as le numéro 32. De toute façon, le jour du concours, je répéterai tous les numéros. Hein. Donc, faut pas vous inquiéter. Mais bon, je le dis quand même comme ça à chaque fois. Hein, mais de toute façon, je le redirai. Bah écoute Nadine, vraiment merci beaucoup. Oh là, je vous le mets encore comme ça. Non mais regardez cette beauté. Oh. Regardez, je tourne encore. Regardez-moi ça. Oh. Trop joli. Écoute, vraiment, je te fais vraiment des gros bisous. Et sur ce, ouais, je vous dis à très vite. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et à très vite. Bisous.